part d'une entrée. Encore des artefacts. Ils ont dû découvrir un vieux passage. Il faut que je voie ça. Cette flasque appartenait à un soldat de l'armée rouge. Je ne reconnais pas cet insigne. Quoi qu'ils aient découvert, ça doit se trouver là. Un mécanisme pour déclencher une bombe. C'est la même fabrication. Il a dû mettre un temps fou à rassembler tous les éléments. Ah,
Ça y est, j'y suis presque. Je dois trouver un moyen de rentrer. Une fois l'uranium quasiment épuisé, j'ai craint pour le futur de la mission. Mais alors que nous allions fermer le puits, le destin est intervenu. Nous avons trouvé une salle, en partie détruite par un éboulement, mais clairement construite par l'homme. Les objets qu'elle contient sont anciens, ils ont presque un millénaire, et personne n'y a touché depuis que le tombeau a été scellé. Nous avons redoublé d'efforts. Au lieu d'extraire le minerai, les ouvriers fouillent désormais la chambre pour récupérer les artefacts. Nous avons beau avoir brisé leur volonté, les natifs de la vallée rechignent à la tâche, comme s'ils ne voulaient pas que ces reliques soient mises au jour. Certains jeunes hommes vont devoir servir d'exemple avant que leur regard noir ne dégénère en quelque chose de plus sérieux. Ces chariots, ils pourraient peut-être bloquer l'eau. Ces chariots, ils pourraient peut-être bloquer l'eau. Ces chariots, ils pourraient peut-être bloquer l'eau. Je dois trouver un moyen de la bloquer pour de bon. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Je dois pouvoir libérer un autre chariot.
fresques. On dirait qu'ils l'ont traîné jusqu'ici.
ancien. Une réflexion philosophique sur les vertus de la conscience. C'est dans un sale état, entre les fouilles amateurs et l'effondrement. Mais ça doit être lié au prophète. C'est grâce à ce puits qu'ils ont dû découvrir tout ça. Ça doit être aussi la sortie.